Donc, il n'y aura pas d'intervention des forces publiques à notre demande pour expulser les familles qui sont encore sur place. Par contre, nous allons préparer leur venue dans ces nouveaux logements. C'est une chance, je vous assure, c'est une chance pour ces familles parce qu'il y a encore des centaines et des centaines de familles polynésiennes qui attendent d'être relogées. Il faut aussi aider la Polynésie à développer son économie. Oui. Tout le monde a bien compris que nous avons un projet qui est le village tahitien à réaliser dans cette zone. On ne peut pas faire cohabiter, je dirais, des modes de vie et surtout des gens qui vivent dans une certaine forme d'indignité. Et ça a duré des années et des années. C'est le résultat d'une politique que l'on connaît des différents gouvernements qui sont succédés. Donc aujourd'hui, on veut aller jusqu'au bout de ce processus et surtout faire en sorte que les familles vivent dans des conditions beaucoup plus dignes pour l'avenir.